Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet Tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur du Call of Duty Black Ops 3. Voilà, vous étiez énormément à me réclamer du Call of Duty Black Ops 3. Aujourd'hui on va se retrouver pour un glitch un peu spécial. Vous allez voir tout simplement que je vais en discuter à propos de cela. Juste avant, laissez-moi vite vous présenter le gameplay. Comme je vous ai dit, je joue très peu à Call of Duty ces derniers temps. Donc c'est une double nucléaire en hardcore, enfin au début du jeu. Je crois que c'est quand j'avais à peine les 4000 abonnés, un truc du genre. Comme je vous ai dit, j'ai énormément de gameplay en stock. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ça vous intéresse que je vous repropose un plus de 200 kills. C'est vrai que j'ai encore un 200 kills en réserve. Donc ce serait quand même assez intéressant, voilà, de vous le reproposer. Je crois que niveau classe, c'était à l'ancienne, donc c'était avec Razorback, Viseur Hello, Poignée Ergo, il me semble, si je dis pas de bêtises, avec chargeur rapide et chargeur grande capacité, avec surcanonçage, pillard, et puis à l'époque je crois que je jouais avec Fonceur. Je crois que c'était ça, ouais, parce que c'était plus intéressant de courir et marcher en même temps en hardcore. Enfin bref, ça, c'est mon avis, point barre. Enfin bref, donc je vous ai présenté le gameplay. On va tout de suite attaquer le glitch en question. Je vais vous balancer la première image et vous allez me dire, mais what the fuck, c'est quoi ça? Le mec, il a absolument tout. Normalement, le titre de la vidéo, si je dis pas de bêtises, ça sera « Ce glitch vous rendra invincible ». Sur Call of Duty Black Ops 3, je mets bien le entre guillemets invincible, et il sera également lors du titre. Mais pourquoi je mets entre guillemets le invincible? Parce que en soi, ça va pas vraiment vous dire ouais, il y a personne qui peut me tuer, etc. Non, en soi, c'est juste que même si tu es un bon joueur, avoir tous les accessoires possibles sur une arme, et en plus de cela, avoir tous les atouts possibles, et en même temps, tu peux faire un comment ça s'appelle? Tu peux mettre un surarmement, tu peux mettre toutes les armes que tu veux, etc. Mettre encore beaucoup plus d'accessoires, ça te rend vraiment la tâche hyper facile. C'est vraiment un truc de fou. Donc, comme vous avez pu voir sur l'image, certains vont me dire « Ouais, mais attends, là, hôtel, là, c'est possible que ça soit de la partie privée, etc. » Donc, en espace commentaire, en épinglé et certainement en description, je vous mettrai la vidéo de l'américain qui a eu ce glitch. Alors je ne sais pas s'il a été patché entre deux, je ne sais rien du tout, je n'ai même pas vu niveau communauté francophone faire cette vidéo là, mais tout simplement que il y a eu un glitch, voilà, un gros glitch où tu peux absolument tout avoir. En plus de cela, quand je vais vous balancer certainement le deuxième screen, vous allez voir en bas que quand on peut débloquer tout simplement hein, les soif d'atout 1, soif d'atout 2, soif d'atout 3, et ben en fait c'est tout en blanc, c'est absolument tout en blanc. Ça veut dire que le mec, il n'y a vraiment pas de triche, on va dire, au niveau de partie privée. Hein. Je dis bien au niveau partie privée. En soi, c'est un glitch au niveau multiplayer. Hein. Ça, je vais pas le nier. C'est un glitch niveau multiplayer. Et ce glitch-là, vraiment, ça va t'aider à débloquer mais absolument tout ce que tu veux. Mais vraiment tout ce que tu veux. T'imagines avec la manoir. T'arrives avec une manoir gros calibre, tir rapide, chargeur de grande capacité. C'est ultra cheaté, les potes. Franchement, on est bien d'accord là-dessus. C'est franchement ultra cheaté. Et j'espère que ce genre de glitch, en fait, on va dire, à l'avenir, sera un peu enlevé. Et très vite, voilà, très vite, même pas arrivé. On va dire très vite patch, mais en soi, je sais toujours pas s'il a été patch ou pas. Mais le truc, c'est que ce genre de choses, en fait, j'ai l'impression que Call of Duty ou Treyarch laisse vraiment volontairement ce genre de glitch. Et ça, je vais tout de suite m'exprimer pourquoi. Pourquoi ils vont laisser ce genre de glitch? Parce que déjà, première des choses, il y a des youtubeurs comme moi qui vont faire des vidéos dessus, donc ils vont continuer à parler de Call of Duty Black Ops 3 et les gens vont continuer à jouer à ce jeu-là. Et ensuite de ça, c'est que surtout, que comme j'ai dit, il y a les gens qui vont tout de suite rejouer sur Call of Duty Black Ops 3, même pour un petit glitch. Alors c'est vrai que ce genre de glitch, ça peut être un peu relou, etc. Toi, t'es en train de jouer tranquillement, puis tu vois un mec qui arrive, qui me dit « Ouais, regarde, j'ai 6 accessoires, etc. » puis tu te fais buter en série à cause de ça, c'est vrai que ça peut être relou, c'est vrai que c'est même pas relou, c'est même ultra chiant, etc. Mais au moins, ce genre de personnes qui font des glitchs ne sont pas bannis, contrairement à Infinite Warfare. Je pense que vous savez, le fameux glitch qu'il y a eu au niveau des clés de cryptage et boulon, bah les mecs, ils ont tout de suite été bannis, ce que j'ai trouvé ça un peu débile en soi, parce que tu bannis les mecs qui jouent à ton Call of Duty. Enfin bref, là-dessus, tu m'auras compris, c'est que en soi, ce genre de glitch qui te rend vraiment mais tellement surpuissant, mais c'est tellement abusé, et j'espère qu'à l'avenir, voilà, ils éviteront de refaire des trucs comme ça. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu tellement de glitchs sur Call of Duty Black Ops 3, il y a eu les glitchs
de clés de cryptage, par exemple Venom qui en a fait énormément, il y a eu plein de youtubeurs américains qui ont fait des vidéos là-dessus, et j'espère que ce genre de glitch voilà, sera, on va dire, un peu patché à l'avenir. Voilà les gens, c'était l'Octet tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, franchement ça me ferait extrêmement plaisir, n'hésitez pas à défoncer la barre de like. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, on se rapproche très rapidement des 23 000 abonnés. C'est vrai que très récemment, c'est vrai que ça monte, la chaîne elle monte assez vite quoi. Ça veut dire que très récemment j'avais eu les 22 000 abonnés. Là on se rapproche déjà des 23 000 abonnés. Comme je vous ai dit, mon objectif pour le moment ça va être 50 000 abonnés avant la PGW. Hein, franchement ça me ferait extrêmement plaisir si on arrive à atteindre ce chiffre là. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne partout, que ça soit le bouche à oreille, que ça soit avec tes potes. Que ça soit sur le multi, etc. Oh, t'as vu la vidéo de l'Outed, etc. Tatata, il parle de ça. Enfin bref, les gens, c'était l'Octet tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, ciao tout le monde.